Quelqu'un a piraté votre compte. Données personnelles, canaux de transmission. Vous êtes personnellement visé. Box. Vous avez mis des vêtements secs cette fois. Vous êtes impuissant. Vous ne pouvez faire qu'une chose, attendre votre heure. Je détecte l'utilisation du code spectre du commandant dans les archives de la citadelle. Celui qui les pirate s'y trouve à cet instant même. J'en déduis qu'on laisse tomber l'approche discrète. Ok, ok. Même si vous croyez pouvoir vous en tirer. Vous ne pourrez pas vous cacher. Je vous retrouverai où que vous soyez. Me cacher? Pourquoi? Je suis le commandant Shepard. Je ne me cache pas. Vous n'êtes pas le seul Shepard que Cerberus a ressuscité. Il est temps que l'un de nous deux fasse enfin quelque chose de sa vie. Mais d'où venez-vous? Du même ADN que vous. Un clone. Qu'en dites-vous, analyste Brooks? L'Alliance va-t-elle nous stopper? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne travaille pas vraiment pour eux. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, le Normandie m'appelle. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Je dois y aller. Je parle comme ça, moi? Oui, un peu. Je me disais qu'on pourrait s'inquiéter de cette chambre forte de laquelle on est prisonnier. J'ai plus de confiance que lui, plus de maîtrise. Moi, c'est plutôt genre... Ce sera tout, merci. Exactement. Point final. C'est vous qui apportez la conclusion. Il n'y a pas beaucoup d'air non plus là-dedans. Une heure. Max. Ou un petit... à plus tard. Sans précision, histoire de les laisser sur leur faim. C'est pas mal, ça. Bordel, commandant. Vous êtes pas censé vous inquiéter, là. Hein? Oh, Glyph, t'es toujours là? Oui, commandant. Ouvre-moi ce truc et va chercher les autres. Personne ne volera mon vaisseau, même pas moi. J'ai de la place pour deux plus Shepard. Décidez-vous vite, parce que l'autre Shepard est en train de voler mon vaisseau. Quoi? J'y serais bien allé, tant pis. Moi aussi. Mais on ne me choisit jamais. Joker reviendra vous chercher. Promis. Je hais les permissions. J'ai garé le vaisseau depuis à peine 5 minutes. Appelez le contrôle aérien. Dites-leur de refuser la demande de décollage. J'ai essayé. Toutes les communications sont brouillées. Ils veulent me piquer mon vaisseau ni vu ni connu. On va les arrêter. Shepard, votre clone a pénétré dans le vaisseau et tente de... Ça paraissait inévitable. Je vais bien. Sans rire. Le clone a désactivé mes accès au Normandie et tous mes capteurs sensoriels. Je ne peux pas l'empêcher d'entrer ou annuler ses commandes. Ne t'en fais pas, Idea. On s'en occupe. Merci. En tout cas, faut pas traîner. Si le Normandie passe en SLM, autant lui dire adieu tout de suite. Ne comptez pas là-dessus. Super. Les systèmes de sécurité de la citadelle ciblent le véhicule. Si on s'approche, ils vont ouvrir le feu. Demi-tour. Allez récupérer les autres sur le champ. Reçu. À moins d'avoir pris un taxi, ils ne doivent pas être loin.
veut décoller la checklist prend une demi-heure. Eux, ils lancent les moteurs et décollent. En fait, la plupart de ces contrôles sont inutiles. Non, c'est pas vrai. Envoie une alerte aux Normandies. On peut voir. On brouille les coms. J'ai même pas... Hein ? Quoi ? Vous étiez juste sur le Normandie ! Vous m'avez renvoyé avec un blâme pour conduite inappropriée ! Vous me virez du vaisseau et j'ai à peine le temps de prendre ma brosse à dents ! Je ne peux pas vous renvoyer sans audience disciplinaire, Trenor. Et la seule chose que vous emportez, c'est votre brosse à dents. C'est une scission Pro Mark IV. Son champ gravitationnel détruit la plaque. Et quelqu'un m'a viré du vaisseau. Si c'était pas vous... Ne soyez pas stupide. C'était clairement un clone. Je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant... Verrouillé. Les moteurs sont allumés. Ils se préparent au décollage. Il reste quelqu'un à bord qui pourrait nous aider? Non. J'étais là parce que j'ai aidé pour les améliorations du Normandie sur Terre. Tous les autres sont en perme. Vous connaissez ce vaisseau par cœur. Vous pouvez me faire entrer? Il y a une écoutille d'urgence pour les évacuations. Elle devrait être... ici. C'est un verrouillage manuel, et on ne peut l'ouvrir que de l'autre côté. Des idées? Son déclenchement nécessiterait l'application d'un champ gravitationnel très précis. Si on m'avait dit ce matin qu'une brosse à dents allait sauver Normandie, j'aurais été plutôt sceptique. Se tient devant vous. Est-ce que c'est bien compris? Ce n'est pas plus mal. Vous ne préférez pas vous en charger vous-même? Armurerie. Trouvez-le, bloquez-le. Je crois qu'on a cassé la brosse à dents de Trenor en ouvrant le sas. Rappelez-moi de la rembourser. Faut pas qu'il nous entende. Bien. Allez, faites la ronde. Trouvez Shepard. Mais pourquoi il a dit le ralentir? On peut tuer Shepard si on n'a pas le choix, non? Il a dit le ralentir parce qu'il pense qu'on est de la chair à canon. Hein? Je vois.
C'est étrange de parcourir le Normandie sans accès au réseau. Je me sens aveugle. Attention au sas. Merci. Allons vers la soute. Ces gens n'ont aucun respect pour mon foyer, ni mon corps. C'est vraiment intolérable. Vous faites des tentatives de simulation de sentiments. J'ai l'intention de tuer le clone, l'agent Brooks, et tous ceux qui se mettront sur mon chemin. C'est acceptable. Je peux pas accepter ça. Arrêtez de tirer sur mon vaisseau! Il n'est pas à vous. Bientôt, j'ai pris votre nom, votre statut de spectre et même vos empreintes digitales. Et vous m'avez laissé crever, sauf que je suis là. Vous croyez que le Conseil va se laisser duper par de fausses empreintes ou hackettes? Alors, comment se passe votre plan? Unité Hachette, à la navette! Qu'est-ce qui se passe ici? Sortez de la nébuleuse et passez en SLM! On ne peut pas! Une navette nous bloque la route! Sautez-la! En restant à 30 degrés, on bloque le calcul de trajectoire. Ça fait de nous des cibles parfaites! Non, ça fait de nous un appât. Je pilote? Non! Lancez la navette sur ce truc pour dégager la voie! Regardez-vous. Qu'est-ce que vous avez de spécial? Pourquoi vous et pas moi? Tenez bon! On vous tient! Merci. Et le clone? Donnez-moi la main. Et ensuite... ensuite, vous vivrez. Pourquoi ? Heureusement, ils ne sont pas restés assez longtemps pour faire trop de dégâts. Mais j'aurais sûrement besoin de l'aide de James pour nettoyer le hangar à navette. Ils nous ont aussi surchargé la dissipation thermique en nous mitraillant. Il faut remercier M. Navette ici présent, qui a fait quelques belles manœuvres pour nous garder en vie. C'est cool de pouvoir piloter quelque chose de plus maniable que le Kodiak. Et toi, Idea? Merci de demander. Je suis à nouveau aux commandes du Normandie. Très bien. Et les mercenaires, y a des survivants? Elle et un pilote à deux balles.
L'Alliance la transfère dans une prison de haute sécurité. Elle pourra peut-être balancer des infos sur Cerberus. Je serais ravi de coopérer avec les autorités. Jusqu'à votre évasion. M'évader ? Mais je ne suis pas formé pour ça. Arrêtez, vous m'avez trahi, vous avez trahi l'Alliance, et en pleine guerre. J'étais jeune et naïve. Admettez-le, je vais vous manquer. Pas assez de portée. Équipe d'entretien pour le hangar à navettes ? Le reste de l'équipe attend dehors, commandant. Le Normandie sera comme neuf, on n'a rien de temps. Bonne nouvelle. Merci. Ça se passe toujours comme ça, les permissions. Allez, on va peut-être pouvoir profiter d'un vrai congé. Pas d'explosion, juste nous. Improbable, mais acceptable. Alors, que fait-on après une journée passée à combattre un clone maléfique ? La sieste ? Pitié ! On fait la fête. Une fête, c'est ça ? Pas de pression. Personne ne vous oblige à faire la fête. D'accord, bonne idée. Préparons ça. J'ai fait verser quelques liquidités sur votre compte pour l'achat des fournitures en vue de la soirée, commandant. D'accord. Idea, Cortès et Trenor sont OK. Hein ? J'ai également informé le docteur Tsoni de l'éventualité de festivités à venir. Minute, minute. Je vais m'occuper de la liste d'invités. Il n'y a pas de bouton « Annuler invitation ». D'accord. Mais à partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe des invitations. C'est mal barré. Cortès vient d'inviter James. Bien. Je vais aller voir ce que je peux trafiquer dans le coin, sans me briser un fémur. Certains membres d'équipage ont demandé à vous voir en privé, commandant. Vous pouvez lire vos messages sur votre terminal. Si vous voulez vous divertir, l'avenue Stella Argent propose une salle de jeu en plus du casino. On vous a également offert une inscription gratuite au simulateur de combat. Merci, Glyph. Je crois qu'une petite permission me ferait du bien. Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à Ten Krios. Ten a marqué chacune de nos vies. C'était un héros pour le conseiller, un frère d'armes pour l'équipage du Normandie, et un père dévoué à son fils pour d'autres. S'il est passé par des périodes terriblement sombres, Ten faisait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Il avait beau se savoir condamné, il n'a pas hésité à courir les rues ravagées par la guerre pour m'aider. Vous connaissez tous la suite. Un assassin de métier a donné sa vie pour sa galaxie, et aujourd'hui, il a trouvé le repos. Quelqu'un d'autre souhaiterait dire un mot ? C'est bizarre, mais pour moi, Ten est tout sauf un assassin. Au combat, on se couvrait l'un l'autre. On était coéquipiers. Ten se prenait au sérieux, ce avec quoi je n'étais pas toujours d'accord. J'essayais régulièrement de le faire rire. Mais ce que j'interprétais comme un manque d'humour masquait un grand effort.
Dane reprenait sa vie en main comme peu d'organiques ont réussi à le faire. Le jour où Ten a embarqué sur le Normandie, tout ce que Kelly et moi savions de lui, c'est qu'il était certainement capable de nous tuer avec un stylo bille. Mais une fois qu'on a appris à le connaître, on n'avait plus raison d'avoir peur. Il vous disait ce qu'il pensait de vous. Goliath, est-ce que... Quand j'étais petit, je croyais que mon père avait tout compris. Il disait que les hommes devaient être loyaux avec leurs amis et dangereux avec leurs ennemis. Mais quand il m'a empêché de faire du mal à quelqu'un, j'ai vu qu'il avait changé. Il m'a dit que les proches valaient plus que l'ego et les ennemis. Je n'ai rien voulu savoir. J'étais perdu. Je l'ai traité d'hypocrite un millier de fois. Je lui ai dit qu'il devenait gâteux. Et maintenant, je me dis qu'il avait vraiment tout compris. C'est tout ce que je peux dire. Si quelqu'un veut poursuivre... Les gens commencent à partir, on dirait. Commandant, merci pour cette petite cérémonie. Avec le temps, ça restera un bon souvenir. Je ne sais pas si je serai aussi philosophe. C'est encore tout frais. On verra. Je comprends. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais profiter de l'occasion pour parler au conseiller. À propos de quoi ? Il est d'humeur reconnaissante. Et il y a des biologistes galariens qui ont besoin de financement. S'il y en a qui sont capables de trouver un traitement au syndrome de Képral, ce sont eux. Si t'as besoin de quelqu'un pour faire pression sur le conseiller, compte sur moi. Merci. Mais le conseiller Valerne a fait un discours récemment sur le financement de la science en temps de guerre. Mes chances sont plutôt bonnes. Oh, avant que je parte, je rangeais les affaires de mon père et je suis tombé sur des copies de messages vidéo qu'il avait essayé de vous envoyer. Je vous les ai envoyés à votre adresse extranet, si ça peut servir. Au plaisir de vous revoir, commandant. Shepard, je dois vous remercier pour ma liberté. Quitter le Normandie, c'était la bonne décision. Ça m'a rendu triste de voir notre équipage se séparer. Mais ça valait mieux que de finir dans une salle d'interrogatoire de l'Alliance. J'espère que vous aurez ce message. De mon côté, j'ai emménagé dans un appartement à la Citadelle, près de Goliath. Je crois que la première attaque que j'ai eue lui a fait vraiment peur. Je vous épargne les détails. Ça a semblé terrible sur le moment. Mais comparé au relais Omega... C'était un jeu d'enfant. Quoi qu'il en soit, bon courage pour faire entendre raison à l'Alliance. Au plaisir. Shepard, si vous m'avez répondu, je n'ai rien reçu. J'imagine que, vu ma réputation, mes communications ont été limitées. L'ironie, c'est que je ne suis plus en danger pour personne maintenant. Je paye même les impôts sur mes investissements, c'est vous dire. Il faut bien que je montre l'exemple à Goliath. Il va mieux, d'ailleurs. Toujours célibataire, c'est qu'il a son tempérament. Mais il a un travail et il se tient à carreau. Je vois qu'il veut vraiment changer. Ça lui a coûté plus que quelques amis. Répondez si vous le pouvez, Shepard. J'ai de vos nouvelles par les infos, mais ça ne fait pas tout. Je vais essayer de vous envoyer ce message sous une fausse identité. On verra bien si ça marche. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai passé quelques jours sur Terre avec Goliath. J'éclaire ses yeux. Le cri perçant s'arrête. Je balaye le sol et je vois deux corps minuscules pris dans des griffes. Par
mauvaise nouvelle. C'est que je suis tombé sur la tête. Goliath m'a convaincu d'aller au mémorial de Huerta à la citadelle. Je serai ici maintenant. Je n'ai aucune envie de mourir dans un hôpital. Mais c'est là que sont les médecins. Et Goliath, je l'aime. Je dois lui faire confiance. Au revoir, Shepard. Je tiens à vous le dire maintenant. On ne sait jamais. Bonjour, commandant. Shepard. Je ne savais pas que vous jouiez. À vrai dire, c'est le seul morceau que je connais. Pourquoi ça ? Il y avait toujours plus important à faire. Une ruine à découvrir, des infos à dénicher, un commandant à sauver. Hey, vous ne teniez pas en place très longtemps. Et vous si ? Ce morceau a quelque chose de spécial ? Lors d'une de mes premières fouilles, un orage a éclaté. On s'est retrouvés coincés. Je n'arrivais pas à me calmer. Une archéologue qui était là, le docteur Olena, avait son clavier. Elle l'emportait partout avec elle. Elle m'a appris ce morceau en attendant. C'est joli. Merci, Shepard. J'ai toujours aimé cet air. Shepard, je... Qu'est-ce que vous faites ? Je veux être sûr que vous n'allez pas filer pour quelque chose de plus important. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. On devrait faire ça plus souvent. Oui. Peut-être après... Tous les jours après. Shepard. Bienvenue à bord, Shepard. Bon, alors on va où comme ça ? Activation des caméras externes. Je savais pas que cette navette avait des hublots virtuels. Je pense que vous ignorez d'autres choses sur ce vaisseau. Ça veut dire quoi, au juste ? Avant les champs gravitationnels, il n'y avait pas d'amortisseur d'inertie. Et ? Attendez, vous allez voir. Oula ! Ça, mon ami, c'est la vitesse à l'état pur. Vous voulez vraiment la sentir ? Allez-y. Oh ! Vous voyez, il faut pas grand-chose pour gagner quelques G. Avant, les pilotes portaient des combinaisons anti-G qui serraient le corps pour que le sang reste dans la tête pendant les manœuvres brusques. Je portais une combi comme ça quand je pilotais mon Trident. Dans un chasseur, c'est courant de basculer la puissance des amortisseurs vers d'autres systèmes. Ça vous manque, les chasseurs. J'imagine que c'est pas très excitant de piloter une navette. Pas du tout. Je ne suis pas n'importe quel pilote de navette. Je suis le vôtre. Et je ne laisserai ma place pour rien au monde. Quand vous êtes au sol, l'arme à la main, vous êtes invincible. Mais quand on s'approche d'une zone d'atterrissage, vous êtes un soldat comme les autres. Si on se fait tirer dessus, vous n'y pouvez rien. Vous conduire au sol en sécurité est une responsabilité que je ne confierai à personne d'autre.
J'ai de la chance de vous avoir, Steve. Et moi donc, Shepard. Fin de partie. Excellent usage du gambit balucien. C'est quoi? Des échecs spatiaux? Kepesh Yakshi, la lame des vents nocturnes. Et Asari y joue depuis... On avait rendez-vous pour déjeuner? Oh, je suis navrée. J'ai intégré le tournoi juste pour rire. Je pensais me faire éliminer dans les premières manches. Pas de souci. Vous pourrez rejoindre votre ami dans... une vingtaine de coups. Souza... Trainor, vous voulez bien me donner vos frégates maintenant? Je finis toujours par les avoir, de toute façon. Paul Garat, Souza. Elle m'a éliminé de 4 tournois. Spécialiste? Commandant? Faites-lui mal. Compris. Ça décourage le sacrifice inconsidéré de pièces. Encore quelques siècles, et vous seriez un adversaire à la hauteur. Vous devez manquer de temps pour jouer depuis que vous êtes sur ce vaisseau. Mon peuple a le plus grand respect pour les grands penseurs. Je vis confortablement en enseignant les stratégies de ce jeu à des demoiselles Asari. J'avais imaginé que les grands penseurs aideraient à l'effort de guerre Asari. J'espère que vos demoiselles ne sont pas sur Ilium. Aux dernières nouvelles, les moissonneurs avaient rasé la planète. Pardonnez-moi, j'essaie de jouer. Arrêtez les conneries, encore une stratégie qui ne fonctionne pas contre les moissonneurs. Ni sur les Rakhni ou les Krogan d'ailleurs. Les Asari ont-elles déjà gagné une guerre? Les Asari exploraient déjà la galaxie quand vos ancêtres taillaient des silex. Je crois qu'on doit appuyer sur ce bouton quand on a terminé son tour. Désolée, Tsuza. Ça va picoter un peu. Ah ! Merci, commandant. Et... pardon pour avoir oublié notre déjeuner. C'était pour la bonne cause, Trainor. Continuez. Ça vous dérange pas que je le laisse ici, c'est sûr? C'est que je ne peux pas le rapporter sur le Normandie. Je n'ai nulle part où le mettre. Le préfabriqué d'Horizon fait pas le figure à côté de cet appart. Ah! Oh. Et il y a un jacuzzi. Allez-y. Santé. Ah, ça fait du bien. Et c'est bon pour les sinus. J'aurais peut-être pas besoin de mes antihistaminiques ce soir. Vous quoi? C'est un médoc. Je suis allergique à la poussière. Et aux chats. Et aux discours. J'ai un inhibiteur de pompe à protons pour mon ventre aussi. Et un inhalateur pour mon asthme. Je savais pas que ce genre d'affection existait encore, sans vouloir vous vexer. Pas de souci. Mon corps n'est que ce pauvre truc gênant qui me permet de transporter mon esprit. La colonie où j'ai grandi a des ressources limitées. On a droit à la thérapie génique que si on souffre d'une maladie mortelle. J'ai vu de l'huile de bain parfumée par là-bas. Vous pouvez me la passer? Bien sûr. Tenez. Merci. Mes yeux sont ici.
Et là. Eh, vous auriez un loufa? Un loufa? C'est l'appartement d'Anderson, je vous rappelle. Je doute franchement qu'il y ait... J'en ai trouvé un. Quelqu'un a laissé une trousse de toilette avec des huiles de massage et... Enfin, des trucs de filles. Vous savez qui c'est, cette K. Sanders? Elle a bon goût en matière de bâton de massage. J'ai eu votre message, Miranda. C'est à propos de votre sœur. Shepard, j'ai besoin d'accéder aux ressources de l'Alliance. Je ne peux rien dire de plus. Faites-moi confiance. Je n'aime pas les secrets, Miranda. Dites-moi ce qui se passe. Je ne peux pas, Shepard. Si c'est un problème, je m'en vais. Non. La confiance se fait trop rare ces temps-ci. Bien sûr. Si vous ne m'en dites pas plus, je ne peux pas nous priver de ressources utiles au combat. Je vois. J'ai eu tort de vous demander de l'aide. Non, c'est juste que je ne peux pas. Autre chose ? Oui. J'ai quelque chose à vous dire. À avouer, plutôt. Ça me travaille depuis un moment. Avouer ? À l'époque du projet Lazare que je menais pour vous reconstruire, je voulais vous implanter une puce de contrôle, au cas où. Vous m'en avez déjà parlé. Oui, mais ce n'est pas tout. L'homme trouble a refusé. Ça lui aurait pourtant évité beaucoup d'ennuis. Peut-être, mais il ne voulait pas changer qui vous étiez vraiment. Il ne voulait pas d'un automate qui ne ferait qu'obéir aux ordres. Il voulait le commandant Shepard. Implanter cette puce, ça aurait pu vous tuer. Je comprends votre méfiance. Vous ne saviez pas comment je réagirais. Je n'avais jamais mené un projet avec autant d'inconnus. Je me sentais aveugle. Pourquoi vous me dites tout ça? Je me suis toujours battue contre mon père et son besoin obsessionnel de contrôler chaque aspect de ma vie, jusqu'à mon ADN. Après m'en être tirée, je ne pouvais pas le laisser faire pareil à ma sœur. J'ai risqué ma vie pour la sauver de tout ça. Et pourtant, je n'ai pas hésité un instant à brimer votre liberté quand j'en ai eu le pouvoir. C'est ça qui vous tracasse autant? Oui. Miranda, j'ai perdu 2 ans de ma vie. Vous m'avez rendu tout le reste. Vous auriez pu m'infliger tout un tas de choses, mais vous n'avez rien fait. Je ne sais pas comment, mais vous m'avez fait renaître. Merci. Avec toutes ces incertitudes, je voulais juste que vous sachiez que j'ai toujours regretté cette histoire de puce. Le passé, c'est le passé. Arrêtez de vous en vouloir. En général, j'évite. Mais là, c'était important. On ne peut pas toujours tout contrôler. Je crois que mes gènes ne pourront pas m'aider cette fois. En effet. Ok. Je n'en ai pas envie, mais je dois y aller. Merci pour votre compréhension, Shepard. Bien sûr, et... Miranda, cette chose que vous devez régler. Bonne chance. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Hé, Shepard, par ici. Merci d'être venu. Ravi de vous voir. Exactement pareil. Hé, Jacob, j'ai plus de crédit. C'est qui? Leurs parents sont portés disparus. Je m'occupe d'eux pour le week-end. Ça leur change les idées. Bon, et nous, Shepard? On va bien dégoter un jeu d'adresse pour nous dans tout ça. On va voir ce que vous avez dans le ventre, Taylor. C'est ça, votre jeu d'adresse? Je vais tenter de ne pas vous faire honte, Shepard. Vraiment? Des vannes? Sur Chatra d'Iso? Et comment? Mon honneur est en jeu. En plus, ces gosses me prennent comme modèle. Donc je dois vous écraser. Vous? M'écraser? Je crois pas, non. On se réveille, Shepard. Ça doit être difficile de ne pas être porté par votre équipe. C'est parti. Tranquille, Shepard. Ces gens vous idolâtrent déjà. Ils vous ramasseront quand vous mordrez la poussière. C'est du harcèlement. Oh,
Désolé. Reculez tous. Shepard a besoin d'espace pour déclencher sa magie. Prêt ? C'est parti. Heureusement que vos amis n'ont pas vu votre humiliation. Joli. D'accord, d'accord. Victoire du commandant Shepard ! Et l'affaire est pliée. Vous auriez pu me laisser gagner, pour une fois. Bon, allons manger un morceau. Je vous invite. Shepard ? Alors, que font les Turiens de leur temps libre en général ? On réfléchit à ce qu'on va faire quand on sera de retour au boulot. J'ai des idées pour le canon à vent du Normandie. Vous savez de quoi vous auriez besoin ? Du silencieux Mark IV que j'ai vu à la boutique d'armes. Non, d'un rendez-vous galant. Excusez-moi, je vous ai vu regarder mon ami. Je peux vous le présenter. Salut. Oui, je... Oh. Bonsoir. Et... Complimentez-la. Vous avez l'air sympathique. Peut-être un peu discrète, introvertie, mais globalement correcte. Eh bien, merci. Enfin, je crois. Invitez-la. Oh, et puis, j'ai une idée. J'ai un gros pistolet chez moi. Et j'aimerais beaucoup vous le montrer. Ouais. Écoutez, j'ai un truc à régler. Que j'avais oublié. Il faut absolument que j'y aille. Désolée. Pardon. Je recommence. Ce que je voulais dire, c'est que je m'appelle Garrus et que j'aimerais beaucoup prendre un verre avec vous. Votre permission se passe bien, Javik ? On m'a demandé de jouer dans une vide. Il paraît que c'est un honneur et que c'est bon pour le moral des troupes. Qui a dit ça ? Nya, commandant Shepard ! J'ignorais que vous veniez également ! C'est parfait ! Vous pourrez incarner votre propre rôle. Attention, protéins sur le plateau ! Que quelqu'un renvoie la doublure, nous avons l'honneur d'avoir le vrai Shepard ! Tout le monde à son poste, vite, vite, vite ! Envoyez la toile de fond, moteur ! Action ! Commandant Shepard, merci d'être venu. L'heure est à l'urgence, car notre destin approche à grands pas, et urgemment. Mais l'espoir existe. Le conseil a appris que vous avez trouvé un protéin dans un congélateur et que vous l'avez dégelé. En fait, vous inventez votre petite histoire. Mais pas du tout. Un scénariste l'a écrite, donc ça doit être vrai. Non ! Cette réplique, c'est plus tard ! Enfin ! Que le conseiller Vortia cesse dans ses interruptions ! Je pense avoir été mal informé quant au but de cette vide. Et maintenant, vénérable protéin, quelle antique sagesse pouvez-vous partager avec nous ? Les rognons de galariens se servent à température ambiante. Surtout si le galarien est encore en vie. La peur donne une saveur. Protéin ! Pas aimez-vous ! Quelqu'un a dit protéin ? Celui-ci s'est bien embrasé. Il a embrasé de multiples femelles à travers la galaxie. Blasto, vous voilà enfin !
Les moissonneurs envahissent la galaxie. Si seulement nous avions été prévenus il y a des années. On a essayé. On a été ignorés. On s'est heurté à des sens auditifs obstrués. Et en fait, c'était moi. Sobrine, Saren, ça vous dit peut-être quelque chose? Oui, et Blasto a presque détruit la citadelle pour les éliminer. Mais ce n'est qu'un simple Anari. Et nous avons demandé l'aide du commandant Shepard et de son fidèle protéen. On n'a pas poussé plus loin la lecture du script. On n'est pas en haut de l'affiche. Hein ? Quoi ? Mais c'est Blasto 7 ! Blasto s'en va en guerre ! Pensez aux enfants. Dans mon cycle, les vôtres n'étaient rien d'autre que des amuse-gueules. Préférez-vous être bouillis ou frits ? Protéin, pas aimez-vous ! On a retrouvé notre motivation. Bien. Commandant Shepard et partenaire protéin d'origine ethnique indéterminée, bienvenue chez les Spectres. Vous savez quoi, Blasto ? Je pense que vous n'êtes qu'une grosse méduse stupide. Comment êtes-vous devenu Spectre ? Je ne suis pas juste un Spectre. Je suis un ultra-spectre Elite 7000 de luxe, recul réduit et temps de rechargement plus court. Où est le sas pour que je vous envoie dans l'espace ? On n'a rien prévu pour ça ! Changez les effets sonores et le décor ! Regardez ! Cette Blugarde ! Demi-frère de Sovereign ! Et il veut sa vengeance ! Envoyez la doublure ! Mais enfin ! Dites votre réplique ! Ah ! Mouais ! Oh non ! Le conseiller Vortia est endoctriné ! On est le héros de la citadelle. On a des munitions incendiaires avec votre nom dessus, conseiller. Préparez-vous à mourir. On est le héros de la citadelle. Je m'en charge. On insiste. On s'en moque un peu. On aurait préféré rester congelé dans le réfrigérateur. Pouvons-nous partir, commandant ? Dégagez le plateau ! Et castez-moi un nouveau Vortia ! On se prépare pour Blasto 8 ! Blasto contre le génophage. Alors, Grunt, vous avez quelque chose à me dire ? Ah, ce guignol veut me mettre en tôle. Du coup, je vous ai appelé pour qu'on règle ça. Commandant Shepard, pardon de vous déranger. Ce Krogan insiste pour que nous vous contactions. C'est bon, je m'en occupe. Je vous signerai toute la paperasse. Oui, chef. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas trop. J'ai bu, j'ai quitté l'hosto, et j'ai cassé quelques fenêtres. Mais vous étiez à l'hôpital pour vous remettre sur pied après la rencontre avec l'Arachné. Ouais, et j'avais pas envie de rester. La plupart des gens restent juste le temps d'être soignés. Je suis pas les gens. Pourquoi le SSC ? Je crois qu'ils enquêtent sur des fenêtres cassées. Avant que je vous fasse sortir, j'espère que personne n'a mal fini, estropié ou pire encore. Eh ouais, tout le monde va bien. L'hôpital a pris cher, par contre. Bon, parlez-moi des fenêtres. Deux potes ont voulu me faire sortir pour mon anniversaire, en me faisant descendre par la façade avec une corde. Ouais, ça a pas marché. C'est votre anniversaire ? Non, je suis né en cuve. Bref, on est allé faire des photos au Mémorial Krogan. Au Présidium ? Ouais, quand les gars du SSC sont arrivés, ils étaient comme fous. Mais c'était peut-être pour leur voiture en feu, je sais plus. Pourquoi elle était en feu ? Je lui ai balancé ma bouteille de Rincol, un truc plutôt fort. Elle a pris feu comme ça. Les flics sont sortis vite fait. Je me suis dit qu'ils en voulaient plus, alors je l'ai prise. On n'est pas allé loin avant qu'ils la coupent. On s'est craché par là. Ensuite, il y a eu la mousse anti-émeute. Mais pas trop efficace sur moi. Pourquoi ça ?
Parce que j'étais en feu, à cause de la voiture. Suivez un peu, Shepard. Pardon. Comment ils vous ont pris, alors? La dalle. J'ai acheté des nouilles. Laissez-moi gérer ça. Ce Krogan fait partie d'une mission Spectre spéciale, l'opération Griffe, du Cobra de Feu. Opération Griffe du Cobra de Feu? Exact. Je prends la relève. Envoyez-moi la facture pour les dégâts. C'est ce pourquoi vous avez signé, commandant. Vous avez de la chance, Krogan, que je vous recroise pas. Ne vous en faites pas pour ça. Et est-ce qu'elles étaient bonnes, ces nouilles? Un peu épicées. Grunt, je vous adore.